L'inclusion des personnes handicapées, pour moi, c'est au bout du compte ne plus faire de différence. Et donc peut-être à la base adapter un poste de travail ou adapter un projet pour qu'on ne se rende plus compte de la différence à long terme. C'est important parce qu'on ne se sent pas délaissé de la société. Parce que déjà, quand on a un handicap, on se sent déjà plus faible et un peu rejeté. Et là, on puisse travailler et être autonome de son argent et de gagner son argent, ben c'est une réussite, c'est une victoire. Notre objectif principal, c'est justement veiller au bien-être de notre personnel handicapé. C'est ce qui est primordial. Parfois, ça a des petits inconvénients parce qu'il faut peut-être montrer deux fois le travail au lieu d'une, mais... Le temps qu'on peut consacrer parfois à l'entrée en fonction d'une personne en situation de handicap ou l'adaptation d'un poste de travail, on voit sur le long terme que c'est un gain vraiment au niveau humain et c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour tout le monde.